Je vous prie, je vous en prie. Nous quoi vous Ego, je vous en prie. Et je vous en prie, partagez la vidéo au maximum. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec une très belle fille. Moi, je m'appelle Anenio. Je suis une étudiante à l'Université du Burundi. En journalisme, bac 3. Faculté de journalisme. Non, département de journalisme à la faculté c'est fraîche. Alors, pourquoi tu as choisi le département de journalisme? Sorry. C'est chéri. Non, c'est mon collègue. Fais une interview et puis toi, tu prends des téléphones. Pourquoi? C'est interdit. C'est interdit? Oui. Mais toi, tu m'as pas donné le signal. Tu utilises quel article? Toi? Au début. Au début. Et tu dis quoi, non? Mais toi, tu n'as pas porté, tu n'as pas enlevé les cheveux quand tu étais là. Oui. Tu as les photos, tu peux m'envoyer les photos quand tu étais. C'est le Google. À quel étudiant ou étudiante n'est pas le droit. Au secondaire, je fais la scientifique B. Scientifique B. Oui. Où? À Ngagara, les cernes de la paix. C'est où? Oui. Yakabik. Oui. Et un jour, je serai le bienvenu. Tu sais préparer la pâte. Ah oui. Et bienvenu. Et moi, mon clan, c'est Umunyoni. Nous sommes les Banyoni. Abashoka. Toi, tu es Mushoka. Oui, oui. C'est la première fois que j'entends ce clan. Ma province est d'origine, c'est Tchangouzo. Ta province d'origine, c'est Tchangouzo. Ok. C'est bon, là, les filles de Tchangouzo sont belles. Hein. Comment tu te sens si tu es une fille belle? Qui vient de l'intérieur du pays, alors que tu es à Bujumbura, tu te sens comme nous les méchants, ces petites, elle est de l'intérieur nous du aussi, pays. Nous aussi, nous sommes des méchants. Non, c'est lui qui m'a montré que tu es le méchant. Moi aussi, non. Je lui montre que toi, je suis méchant hanté. Tu me trouves comment? J'aime ça bien. Toi et moi. Tu commences ici, Non, commencer à faire nos affaires nocturnes. Si j'accepte, j'aime ça bien. Tu peux m'accepter? Oui. Dans mon travail, je pense que sur l'internet, on ne travaille pas comme dans la radio. La manière avec laquelle le journaliste peut le faire, donc c'est dans la manière le journaliste doit avoir trois ou quatre témoins. Okay. Mais toi, c'est la seule source. Oui, oui. C'est ce qui est. Oui. C'est toi la seule source. Oui. Quel média? Les médias qui ont des lignes éditoriales. Qui ont des lignes éditoriales. Oui, oui. Toi, tu n'aurais pas. Moi, je l'ai. C'est perdre le temps. C'est perdre le temps les gens qui m'ont suivi. Et puis, on va parler. Non, on va parler les secrets là. Il m'a dit qu'il faut qu'on atteigne la caméra et puis que le caméraman. Je suis l'invité. Oui, attends, on va faire après. Mm-hmm. On va faire après et puis tu vas dormir. On peut progresser au studio, mais c'est à la maison. N'est-ce pas? Il faut qu'il éteigne la caméra. Caméraman, il faut éteindre la caméra. On se verra au chapitre 2. Chapitre 2, oui. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes avec encore Simbizase Mavumba. Je vous prie, je vous en prie. Nous quoi vous Ego, je vous en prie. Et je vous en prie, partagez la vidéo au maximum. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec une très belle fille. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, mademoiselle. Mais c'est madame, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle est qui? Anenio. Anenio. Oui. Mais tu peux partager un peu sur le résumé de ton profil? Oui. Moi, je m'appelle Anenio. Je suis une étudiante à l'Université du Burundi en journalisme, bac 3. Donc, tu sais qu'à l'Université du Burundi, il y a cette faculté? Oui. Flèche. Il y a la faculté de journalisme là-bas?
Faculté de journalisme. Non, département de journalisme à la faculté c'est Flèche. Flèche. Faculté des sciences, des lettres et sciences humaines. Faculté des lettres et sciences humaines. Alors, quelle est la différence entre la faculté et le département? Le département. Bon, dans la faculté, il y a beaucoup de départements. Okay. Oui. Dans la faculté, il y a beaucoup de départements, c'est-à-dire province, commune, zone, hein? Comme ça. Oui. Ok. Alors, pourquoi tu as choisi le département de journalisme? Sorry. C'est qui? C'est chérie? Non, c'est mon collègue. C'est ton collègue? Pas de problème. Fais une interview et puis toi, tu prends des téléphones. Pourquoi? Est-ce que c'est ce qu'on vous a appris dans le métier? Non. C'est toujours quand tu es dans un entretien, il faut mettre le mot d'avion. Mot d'avion. Mais je demande la permission. Tu as demandé la permission? Oui. Imaginez, tu es sur le plateau. Et puis tu as le téléphone là-bas. Et puis on t'appelle, on te dit, oh, ta mère est malade. Est-ce que tu dois continuer à faire l'émission? Ok. Pourquoi tu as accepté? Pourquoi j'ai accepté? Oui. Non, parce que c'est ton droit. C'est mon droit. Oui, oui, c'est ton droit. Tu as le droit à l'expression. C'est ton téléphone, on t'appelle. Mais si c'est pas fait, ce qui m'étonne, c'est parce que déjà c'est le dialogue. Oui, c'est le dialogue. On est dans une interview. Mm-hmm. Tu m'as dit que tu suis les cours du journalisme à l'université. Et aussi, dans les cours qu'on vous apprend, on vous apprend la déontologie. Est-ce que dans la déontologie, on vous a appris ça? Non, c'est interdit. C'est interdit? Oui. Alors, comment tu as fait ça? Pourquoi? Parce que ici, c'est pas au plateau. Mais c'est au plateau, il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Mais toi, tu m'as pas donné le signal. Le signal? Oui. Non, on avait déjà commencé l'interview. Toi, tu as pris le téléphone. Mm-hmm. Est-ce que ça existe au moins ça? Alors, on laisse tomber ça. Même ça, je vais couper parce que si je mets ça, ça sera problème, n'est-ce pas? Quelle est l'article qui a qui dit que dans l'interview? Ça n'existe même pas. Est-ce que tu as déjà vu ce qui est sur le plateau de la télévision avec un téléphone? Tu utilises quel article? Toi? C'est la déontologie. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est l'information d'abord. Il faut d'abord terminer l'information et puis après, la vie continue. Oui, j'accepte. Tu acceptes. Mm-hmm. Alors, tu me disais que tu fais la faculté. On était sur... Dans la faculté, il y a beaucoup de départements. Départements, ok. Oui. Oui, on était là. On était dans les départements. Alors, j'étais en train de demander pourquoi tu as choisi le département du journalisme. Parce que je l'aime. Parce que tu l'aimes. Oui. Alors, bon, depuis quand à l'université du Burundi, il y a cette faculté, il y a ce département? Parce que je croyais que l'université, ok, il y avait, on suivait le cours dans la faculté de la communication. Depuis la 2019, c'est, 2020. C'était à l'université Lumière. Non, à l'université du Burundi. Oui, à l'université du Burundi. J'ai été étonné, en tant qu'à l'université du Burundi, il y a la faculté du journalisme. Mm-hmm. C'est depuis quand? Depuis quoi? Depuis l'année académique 2019-2020. Ok. Oui. Tu as dit quelle promotion? La première promotion. La première promotion. Oui, oui. Vous étiez les premiers lauréats. Oui. Et vous étiez à combien? Au début. Oui. Tu dis quoi? Vous étiez à combien au début? À combien? Vous étiez combien dans la classe le jour où vous... 120 personnes. Et maintenant vous... Maintenant. Il reste combien? Bon. Dans la première année, c'est l'année commune. L'année commune. Dans la deuxième année. Vous tous, vous êtes dans ces amphithéâtres là-bas, vous suivez les cours. Oui, ensemble. Avec les cours ensemble. Les vipara. Les vipara.
Les Tupac, les Tupac. On s'appelle comment? Moi. Les Bipara là. Les... Coupe-cheveux. Non, les Bipara que vous portez quand vous êtes inscrit à l'université du Burundi. Bon. Non. Mais toi, tu n'as pas enlevé les cheveux quand tu étais là. Oui. Tu as les photos, tu peux m'envoyer les photos quand tu étais. C'est le coco. C'est le souvenir. Oui, tu peux m'envoyer des photos avec. Appeler l'interview. Alors pourquoi vous faites ça? D'abord, pourquoi vous faites ça? Pourquoi tous les nouveaux, on vous appelle tous les nouveaux inscrits à l'université de Bondé, pourquoi tous vous les faites coiffer sans cheveux? Sans cheveux? Oui, pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas. Non, tu le sais parce que toi-même tu l'as fait. Et c'est l'obligation. Et l'obligation de qui? C'est, de qui? Il y a l'article, il y a dans le règlement de l'université, non. Il y a un article qui dit que tout nouveau lauréat doit enlever les cheveux. Mais les étudiants qui sont là ont le droit de dire que chaque étudiant ou étudiante doit porter quoi. Mm-hmm. Bon, mm-hmm. Chaque étudiant ou étudiante n'est pas le droit d'étudier avec les cheveux. C'est-à-dire, ce sont les étudiants qui créent le règlement là-bas. Oui, c'est je pense. C'est pas quelque chose d'officiel. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme tu te souviens, en 7e, mm-hmm. quand tu avais entré dans la classe de 7e. Mm-hmm. Bon, il existait le terme Kunyuzur. Mm-hmm. Ok. C'est comme ça. Okay. Oui. C'est comme ça dans la vie. Oui. Dans la vie, oui. N'est pas dans la vie. Dans la vie. Non. Okay. Dernièrement, j'étais sur, on faisait quoi à l'université Lumière. Il y avait toi. Un événement. Mm-hmm. Un événement, on donnait des. C'était le jour de graduation à l'université Lumière. Il n'y a même pas, c'était le 15e là. C'était le 14 janvier. J'étais à l'université Lumière. Mm-hmm. Parmi dans la liste des gens qu'on a payés, on donnait des diplômes, c'était de nos étrangers seulement. Est-ce que chez vous, et aussi il y a beaucoup d'étrangers. D'étrangers, oui. Il y en a, mais pas beaucoup. Par exemple, oui. Mais dans notre. Dans votre département. Oui. Mm-hmm. Il n'y a pas de Congo. Vous êtes tous des Burundais. Oui, oui. Ok. Mais alors, et puis, bon, tu m'as dit que tu vas rester. On continue juste avec ton profil. Et puis, au secondaire, tu as fait quoi? Au secondaire, j'ai fait la scientifique B. Scientifique B. Oui. Où? À Ngagara, à l'internat de la paix. À l'internat? Oui, oui. Tu étais à l'internat là-bas? Oui. Ok, mais là-bas à l'université, tu es dans les locaux de l'université? Non. Oui, tu habites où? Je ici? Je suis chez nous. Chez vous? Oui. Chez vous, c'est où? C'est où? Oui. Nyakabik. Nyakabik. Oui. Et un jour, je serai le bienvenu. Tu sais préparer la pâte? Ah oui. Et... Bienvenue. Et puis au niveau. Mais sur tous les secondaires, tu l'as passé au lycée Reine de la Paix? Non. Mm-hmm. Depuis 2016. 2016. Oui. Avant 2016, tu étais où? 2016. Oui. Enengagara. Enengagara, Kumwembe. Kumwembe, c'est au lycée Reine de la Paix d'Engagara. Ah, et là-bas, c'est Kubi. L'ex, c'est. Aîné. Oui. Ok. Mais alors, tu ça, c'est une chemise pour les garçons. Pour les garçons? Oui. Non? Oui. Pour tous, même les filles. Même les filles, oui. Tu peux porter. Oui. Et alors, à part les études,
tu fais quoi aussi dans la vie? Dans la vie. Dans la vie, je suis la youtubeuse. Comme toi. Comme moi. Comme moi, Simbizwa c'est ma vumba. Moi, moi c'est Simbizwa c'est ma vumba. Je suis Umunyoni. Et toi? Aline Niyo. Votre notre clan. Oui, moi mon clan c'est Umunyoni. Nous sommes les Banyoni. Abashoka. Toi tu es Mushoka? Oui, oui. C'est la première fois que j'entends ce clan. Les Bashoka sont nombreux où? Sont nombreux où? Oui. Même. Dans la province de Mulanja. Mulanja. Peut-être à Lutana. Lutana. Aussi à Chankuzo. Mais c'est une petite partie. Où? Kisagara. Kisagara c'est où? Chankuzo. Toi tu es de Chankuzo? Oui. Ma province d'origine c'est Chankuzo. Ta province d'origine c'est Chankuzo. Ok, c'est bon là, les filles de Chankuzo sont belles. Hein? Merci. Okay. Comment tu te sens si tu es une fille belle qui vient de l'intérieur du pays alors que tu es à Bujumbura? Tu te sens comment? Est-ce qu'il n'y a pas un complexe? Non. Mm-hmm. Est-ce que les taouners, nous facilement? Comme nous les méchants. C'est petite, elle est de l'intérieur nous du aussi, pays. Nous sommes des méchantes. Non, non, vous êtes. Nous sommes des méchantes. Et pour, oui. Pour montrer à tes amis que vous venez ensemble, et moi maintenant je sors avec Sema Vumba de Taouna. C'est lui qui m'a montré que tu es le méchant. Moi aussi. Non, je lui montre que je suis méchante. Toi, tu es de l'intérieur. De l'intérieur, et oui. Quoi? Si c'est quand tu vois un type de un beau gosse comme moi, est-ce que d'abord tu me trouves comment? J'aime ça bien. Tu me trouves comment moi? Toi? Oui oui. Je sais pas. Est-ce qu'on peut être en couple avec toi? En couple? Oui, moi et toi. Toi et moi. Puis commencer ici au micro. Non non oui mais si tu me trouves, est-ce que je peux être en couple avec toi et puis commencer à faire nos affaires nocturnes? Si j'accepte j'aime ça bien. Et tu es d'accord, on peut être en couple maintenant? Oui mais maintenant non. Pas de problème parce que c'est la preuve. Parce que même si tu tombes enceinte, tu auras des prévétés. Si quelqu'un, c'est ma Vumba qui m'avait proposé qui d'être... Qui est mon mari. Oui, oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu peux m'accepter. Et tu me demanderais après. Oui. Mais pas ici devant le public. Pas ici devant le public. Même devant le caméraman là-bas. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire ce que je peux te demander. C'est le secret. C'est le secret. Ah, oui. C'est-à-dire tu peux accepter si je le te demande. D'une part, d'autre part, je n'accepte pas. Koubadida. Pourquoi tu n'as pas fait? Est-ce que là-bas à l'université, il y a les cours de. Les cours de. Genre. Et quoi, les affaires de politique là. De politique. Oui, et il y a les économies politiques. Économie politique. Et les autres. Non, il y a la faculté de l'économie. Non, il y a mais les affaires là. Je sais pas les cours qui est dedans. Ok. Ouais. Toi, tu seras un beau politicien. Un journaliste. Mais les journalistes sont des grands politiciens. Oui. Ok. Maintenant, tu m'as dit que tu es YouTube. C'est sur quelle chaîne? Pour que les gens puissent aller s'abonner et suivre. Bishop TV. Bishop TV. Oui. Depuis quand? Depuis. Il y a 5 mois, 4 mois. Comme okay. Ça. Oui. Alors, tu trouves comment le métier? Comment le métier? T'aimes? D'abord, je l'aime. Okay. Je l'aime à le faire parce que. À l'université. Je fais aussi le journalisme. Que tu profites d'en avoir l'expérience. Oui. Okay. Mais à l'université, ce qu'on vous apprend, je crois que c'est un peu différent avec la réalité sur. C'est quoi? Sur les gens qui travaillent en ligne, sur le savoir-faire. Parce que les documents,
Les lois qui régissent sur la presse burundaise. Bon, il y en a les lois sur la presse sur le net. Mais on s'est référé surtout sur ces médias, les radios, les télévisions, tu vois. Parce que la loi n'est pas à jour, juste sur les réalités qui y sont. Ouais. Alors, comment est-ce que tu compares les réalités de travail en ligne comme YouTubeuse et la réalité de... Non, juste et les cours que tu suis à l'université. Ok. Dans mon travail, je pense que sur l'internet, on ne travaille pas comme dans la radio ou bien à la télévision. Ok. Oui. Alors quelle est la différence entre celle qu'on t'apprend à l'université c'est toujours et la réalité. La réalité. Et la réalité que tu trouves sur le terrain. Sur le terrain. Parce qu'il y a quelque chose qu'on t'apprend à l'université. Il y a ces lois, ces déontologies, patati patata. Oui, oui. C'est ça qui dit. Et il y a la réalité sur le terrain. Sur le terrain. Oui. Juste sur le traitement d'informations. Parce que, comme on t'apprend comment traiter l'information, mais sur le terrain, il y a les réalités d'avoir cette information. Parce que même maintenant, tu es ici, j'ai pris le micro directement, on a commencé à faire. Oui, c'est ça. Mais c'est pas. Mais professionnellement, c'est pas comme ça qu'on a. Oui, je sais. Oui, c'est ça alors. Ouais. Alors, je veux savoir quelle est la différence. La différence. Entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu vis. Alors, sur ce que j'apprends à l'école. Ouais. À l'école. À l'université. On t'apprend. À l'université, oui, oui. Ok. À l'université. Donc, pour traiter une information, le journaliste, il y a des conditions qu'il doit remplir. Ok. Oui. Lesquelles? Lesquelles? Bon. Parmi ces conditions, il y en a même les conditions moi que j'ai violées ici. Oui. Même. Alors, c'est que d'abord. Pour partager avec les gens que j'ai reçus, j'ai violé quelles conditions que original, c'est doit avoir les témoins. Témoins. Eh oui. Si j'ai pas besoin de témoins. La source, c'est des informations fiables. La source fiable. Ici, c'est toi. Oui. Parce que tout ce que tu. C'est moi. Je le. Alors. Parce que moi, je suis un communicateur. Oui, je sais. La manière avec laquelle le journaliste peut le faire. Donc, c'est dans la manière. Le journaliste doit avoir trois. Ou quatre témoins. Okay. Mais toi, c'est la seule source. Oui. C'est toi la seule source. Oui. Mais c'est toi qui me donnes l'information parce que c'est tout ce que tu me dis, je crois que c'est vrai. Même ça peut être n'est pas réel. Le journaliste doit chercher le responsable, l'expert. Les responsables. Mais ça, c'est dans le cadre d'investigation. Oui. Mais moi, maintenant, je suis en train de faire une interview avec toi. Je pense que tout ce que tu me dis est vrai. Toi, tu cherches un tel sujet. Mmh. Donc, le sujet quelconque. Oui. Mais. Alors, si. Donc. Par exemple, à la radio. Ou bien à la télévision. D'abord, avant d'aller sur terre, il doit faire la réunion de rédaction. Okay. Oui. Mais toi, tu ne fais pas la réunion de rédaction. Mais il y a les médias en ligne qui font la réunion de rédaction. Je ne sais pas quels médias. Il y en a beaucoup. Quels médias? Les médias qui ont des lignes éditoriales. Qui ont des lignes éditoriales. Oui, oui. Toi, tu ne l'as pas. Moi, je l'ai. C'est perdre le temps. C'est perdre. C'est, mon ligne c'est de faire perdre le temps les gens qui m'ont suivi. Donc, des choses, des fois, des sujets. Pour divertir seulement. Divertissement seulement. Et maintenant, je suis en train de le divertir. Mais maintenant, tu rentres loin. Moi, j'étais. Tu sais, tu prends ça. Non. Et, mais merci. Mais merci. Okay. Et... Alors, la dernière mot que tu payes, parce que ça fait.
qu'on rentre. Merci. Faut que tu rentres toi parce oui. que moi je suis à la maison. Je rentre chez nous. Merci. Tu vas dormir ici. Non, puis j'ai des bons draps. Et puis on va non. parler. Non, on va parler les secrets là. Il m'a dit qu'il faut qu'on atteigne la caméra et puis que le caméraman. Je suis l'invité. Oui, attends. On va faire après. Mm-hmm. On va faire après et puis tu vas dormir. Non. Dormir ici. C'est déjà ici, c'est au studio. Ne dis pas que c'est au studio. On peut progresser au studio, mais c'est à la maison. N'est-ce pas? Il faut qu'il éteigne la caméra. Caméraman, il faut éteindre la caméra. On se verra au chapitre 2. Chapitre 2, oui. Ok. Oui. Alors, allez sur Bishop TV, tu verras la belle fille. Et moi, c'est Simbizo Asema Vumba. On est en train d'améliorer. Ça, c'est... Elle est dans l'université du Burundi. Moi, je vous aime.